Mesdames et messieurs, TV la Haïti.com, nous content rejoindre nous et la nouvelle vidéo ça que nous côté pour là. Alors c'est une vidéo nous pas parler trop, nous pas gain trop à dire et nous pas faut attendre ça rivé. Secrétaire général Palais National sans président et puis bon secrétaire qui a touché l'argent chaque mois. Et puis mesdames et messieurs, secrétaire a soutenu qui mourit là, monsieur soutenu qui passé en bas où le nèg exam, en bas où le bandit. Et l'aime souvent entendre, il dit que ça n'est pas innocent dans ce qui a passé dans le pays là. Surtout, Josué Pierre-Louis avec Vite l'homme, c'est Cocotte avec Chigao. Et bien, je dis à la, Josué Pierre-Louis manque mon. Monsieur manque mon parce que bandit ouvert coup de zame sous cortège. Josué Pierre-Louis, mesdames et messieurs, dans le moment où on a parlé là, et bien, c'est VFN. Josué Pierre-Louis lui-même a boué parce que monsieur fait saisissement. Monsieur saisi, il ne peut pas attendre, on va être conscient à arriver. Et là, on n'est pas innocent, on a abéti jeune, on va éviter l'homme l'argent pour l'acheter plus d'âme pour tout le monde. Et bien, je dis à mes résultats, mais qui ça, bandit, et bien, moi qui fait Josué Pierre-Louis, je tape ouvert tête monsieur en bas coup de balle, mais c'est bien dommage, et bien, monsieur, il est échappé pour lui. Monsieur Gételi, sécurité Lyon, et bien, il protège Josué Pierre-Louis, et c'est une raison qui fait monsieur, je dis à la. En bas de zam nèg améo ou pas le faut entendre comment ça t'est nous pas le faut entendre mais raison qui t'a poussé et ben bandi là envahi Josué Pierre-Louis en bas de balle. Est-ce que c'est quel deal qui mal fait? Est-ce que tout et c'est vite l'homme qui t'a voué nèg manger Josué Pierre-Louis ou bien c'est monsieur qui t'a et ben en confié l'eau à nèg yo et ben bagay la mal géré et s'entendre à là Josué Pierre-Louis manqué victime. Mesdames et messieurs, nous pas le faut entendre plus de détails, nous pas le faut connaître raison qui cause et ben Bandio là, ta percé Josué Pierre-Louis qui est secrétaire général Palais National. En tout cas, il y a causé dans le pays ça, mesdames et messieurs. Bandio a frappé là, je dis à vite l'homme fini avec un Vivi Michel, un pile caïmoulé, un pile monde qui était la caillou, des divers autres qui blessés, qui donc quand c'est vite l'homme qui a frappé dans Torcel, c'est vite l'homme qui a frappé dans Forjac, c'est vite l'homme qui a frappé dans Kinskoff, et là nous connaissons en roi, gagné ancien député. Alfredo Antoine et gagne tout ancien député Jerry Tadier qui va jamais dit un mot sur ça qui a passé dans Pétionville en bas mais vite l'homme. Bonne écoute tout le monde ou sur tvlakayhaiti.com. N'a pas rejoint pour une prochaine vidéo. Haïti, notamment n'importe où Port-au-Prince, côté que 24 heures de temps après, et bien situation était vraiment compliquée après, complication que tu gagné par rapport à la sécurité à qui était menacée. Et dans certaines zones, tant coup, au niveau de la zone de Vivi Michel, au niveau commune Kinskoff, au niveau commune Delma, quand les situations étaient compliquées, et bien, dans mon appareil là, il y a une nouvelle journée de tension, de panique au sein de la capitale, côté que, mesdames, messieurs, et bien, cortège, secrétaire général Palais National, là, lui-même, il était censé pris d'assaut, beaucoup de plusieurs, et en pile coup de balle qui t'a chanté, dans les airs du Palais National, côté que, eh ben, kidnapping t'a fait, pendant le même moment, eh ben, côté, Josué Pierre-Louis lui-même, il t'a entré dans le palais, eh ben, pile coup de balle t'es chanté, monsieur Isoyo, qui t'es occupé, et zone environnante Palais National, là, eh ben, côté que, c'est qui t'es réagi, en pile tiré, bon côté bandit, en pile tiré, bon côté, justement, sécurité, et secrétaire général Palais National, là, en bas de Josué Pierre-Louis, situation t'es vraiment, vraiment, vraiment alarmante. Je dis encore, dans les heures du Palais National, pourquoi pas, Jimmy, mais c'est Iso, qui au même, de peu, si c'est pas de vigilance, eh ben, sécurité, et Josué Pierre-Louis, eh ben, Kafel te kakou lakma, et nous, Jimmy, suivi, yon tout, c'était, yon côté, c'était, Ayari, et puis l'autre côté, environ 24 ans après, c'est tout pas Josué Pierre-Louis, ça veut dire, insécurité, hein, qui commençait, et sans insécurité, a commencé, il venait en autorité, qui au même, ta, avec, après plusieurs années, yo croisé braille, yo pas réagi, et bien, une situation vraiment compliquée, et bien, non, on n'a pas eu là, au niveau, et bien, et pays d'Haïti, par rapport avec insécurité, à côté que plusieurs autorités, non, on n'a pas eu là, qui au même, menacé par un saut bandit. Exactement, là, nous parlons justement de Josué Pierre-Louis, mesdames et messieurs, et bien, c'est un individu, ça, qui n'a pas gardé sur l'écran là, et qui secrétaire par les nationales là, parce que nous connaissons que très très visuel, évidemment, si monsieur n'a pas gardé là. Donc c'est sérieux là, nous voyons que attaque a multiplié, et là, nous pas qu'à dire, est-ce que c'est monsieur Gangzao qui commence à réunir, qui a regroupé ou d'une façon ou d'une autre? Eh bien là, c'est sûr, c'était mesdames, messieurs, eh bien, Ariel semblait monsieur ça semblait abjeune bout Ariel, parce que là, nous pas comprendre bien ce qu'a dessiné là.
Mais c'est sûr et certain, eh bien là, bagay yo mal passé pour monsieur Sayo. Et une fois de plus, nous-mêmes, n'a pas dit l'armée d'Haïti, n'a pas dit la police, monsieur. Gessayez des dossiers, dossiers gang à gang, évitez d'entrer là-dedans, yo. Dossier bandit à bandit, évitez là-dedans, yo. Mais donc, et, nous parler justement de, secrétaire palais national, là. Et, qui est-ce qui mettait secrétaire ça, et l'ainol, et n'a pas suivi là? Qui est-ce, monsieur? Bon, en parlant de Josué-Pierre Louis Dimi, nous connaissons Josué-Pierre Louis, non seulement c'est un homme, vite l'homme t'es cité, non, t'es en connivence avec vite l'homme pour te voir, pour te combattre président Jovenel Moïse, pour te assassiner président Jovenel Moïse, mais également Josué-Pierre Louis, mesdames, messieurs, c'est Zèle 4, l'ancien président Michel Joseph Martelly, qui est actuellement là, comme je vois, et secrétaire général, qui n'a secrétariat général par national là, qui lui-même, c'est un pion, Michel Joseph Martelly, et je ne sais pas, après, appelez et vite l'homme qui te voye au représentant à négocier à Josué-Pierre Louis, n'a pas appelé, c'est n'a pas ancien président Bao, et mi baléa, qui lui n'a pas appelé, vite l'homme te revendiquer ça, en côté que te kidnappé, représentant ni négociateur, qui t'a négocié à Josué-Pierre Louis, et bien, n'a pas parlé de Josué-Pierre Louis, qui lui même je dis à là, et bien, il te si bandio, et n'a pas appelé Josué-Pierre Louis qui t'a rentré dans le palais national, et bien, côté asso bandio, cartouche t'a tiré passé par là, et pendant même moment, monsieur t'a apprêté pour l'entrée dans le bureau, eh bien, coup de balle t'a fait mi-calor par rapport avec, eh bien, bandit t'a, qui t'a occupé zone environnante palais, côté kidnapping t'a tenté fait, mais, dans même moment, tout dit, eh bien, parmi Diri, Tiwal, Goutte, Grèce, gros tentative kidnapping qui t'a fait, qui m'a écrit des jeux par la police, dans même, et assaut bandit toujours, dans les aides du palais national, eh bien, nous, et Josué-Pierre Louis, Josué-Pierre Louis, encore une fois, mesdames, messieurs, après Ariel Henry, qui était si bandit, après appelé où? Ariel Henry, il y a 24 heures de temps de cela, qui lui-même était en difficulté, résidence officielle était en difficulté, au niveau Vivi Mitchell, au niveau d'Elma 60, mais également, nous, à Pontitan, eh bien, Josué-Pierre Louis lui-même, qui était censé vouloir toucher mes sols par là, qui était manqué toucher mes sols par là, eh bien, si c'est pas vigilance, sécurité lieu, qui t'a fait bonne garde, eh bien, qui t'a tiré en toute direction, en pile panique, t'es gagné, dit, mais pour être capable d'évacuer, Josué-Pierre Louis par rapport avec Asso Bandio et sécurité qui était vraiment, vraiment menacée, Dimi, et par rapport avec, Jodiala, côté qui était compliqué au niveau, et on dit de quelques mètres de palais national, Bandio, encore une fois, déployé, kidnapping d'a fait, et nous, pendant juste ça, Dimi, kidnapping, non, lui fait souvent dans le palais national par rapport avec, et présence bandit armé, Dimi. Et en tout cas, mesdames, messieurs, là, nous-mêmes, n'absuivent. Et parce que là c'est pas l'autre bagaille, c'est même groupe gang ça aux gens nous disant. Moi j'ai plusieurs monde qui a écrit qui dit que justement eh bien ces chiens qui commençaient à mordre mettre lui. Eh bien, nous pas dit plus étant donné que nous sommes des hommes responsables et nous pas dit que faut mission rentrer dans palais national, nous pas doit dire des bails ça yo. Ou connaît avec tout respect nous gain pour Ariel Henry. Ou connaît gens nous rien mais Ariel Henry mesdames messieurs, nous pas dit pour monsieur ça t'a attaqué Ariel Henry. On pas nous pas dit ça. Mais si monsieur Ofel, comme c'est gang à gang, qui te résout le problème gang yo, et puis sérieusement, who care? Nous pas care. On nous avance, frère Pam, qui te bandit yo, qui te gang ça, résout le problème gang yo, et parce que là, nous même, nous avons notre bagage sérieux pour nous régler là, parce que société a pas avancé là, et puis moi, j'ai mon capi écrit qui dit, oh, parler ça t'es là toujours, bon, en quelque sorte. Oui, frère Pam. Mais dis-moi, faut que non du tout, j'en qu'on se dit là, il y a un monde qui parle des affrontements gang à gang. Et pas lié, et Josué-Pierre Louis, c'est un monde qui, justement, et nous connaît toute information de Josué-Pierre Louis. Non seulement, il fait partie PHTK, et c'est Zèle 4 Michel Martelly, mais cependant, c'est un monde tout, qui était habitué auparavant, époque bataille pour, et bataille qui t'a mené pour te abattre dans Jovenel Moïse, il était fait partie d'un monde qui était qu'on a négocié à habiter l'homme, mais je dis à là, qui manquait quitter Paul, pas qui, et de peu, et il aurait quitté sa peau dans les heures du palais national, c'est pas de vigilance et agent sécurité Lyon, mais nous parlons de éventuel affrontement gang à gang, gang ISO, et agent sécurité Josué-Pierre Louis qui même te réagit pour être capable de sauver la ville, mais nous capable de dire jusqu'à date, nous suivre, est-ce que dans le jour qui vient là, dit, mais palais national, le périmètre qui loge palais national là, il parle déclaré comme un territoire perdu, même gens. Mais le juge a dit l'autre fois, Matisse, c'est un il fait partie du territoire perdu. Eh bien, est-ce que Erchan, Massa, Espace Kilo, je parle national, il peut le considérer comme un territoire perdu? Mais c'est que ce sont en pile, on a posé, on va qui vraiment paraître
l'aide, on va qui va être horrible par rapport à la réalité pays d'Haïti, mais cependant, jusqu'à présent, c'est que ça situation est par rapport avec réalité, hein, attaque qu'a fait et autour du palais national, kidnapping qu'a fait, et bien, encore une fois, et secrétaire général Paléa, unique monde qui gagne rapport, qui gagne rapport à palais national, qui gagne rapport pour entrer dans Paléa, en parlant de José Pierre-Louis, qui lui-même est en difficulté par rapport avec assaut bandit. Voilà. Effectivement, bon, pour qu'on y a, mesdames, messieurs, nous pas ajouter plus, étant donné que nous pas qu'à dire, est-ce que t'as gagné blessé dans le cortège là, nous pas connaît, nous pas gagné plus de détails, parce que nous, ok, c'est série d'informations, là où elles sortent comme ça, y'a pas voulu population connaît. Vous comprenez, y'a pas voulu population connaît, que justement, gouvernement, ça qui pas réglé en rien, que y'a même peut-être y'a en difficulté. Donc, j'en débarrasse ça, on a bas ou là, mesdames, messieurs, faut qu'on lève bonheur, faut qu'on aille chercher, pour gagner info ça, yo. Eh bien, très bien. Et puis, on nous avance par dans la parler là, mesdames, messieurs. Eh bien, oui, Haïti, une fois de plus. Haïti, eh bien, au cœur, non débat. Pour pas dire, pral, non débat, eh bien, Conseil Nations Unies. Eh bien, une fois de plus, pas oublier que nous disons que justement, bon côté, la Russie, et que nous connaissons justement, la Russie, relation avec la Chine. Eh bien, c'est la Russie qui pral, qui pral justement diriger le Conseil Nations Unies. Hein. Donc, une fois de plus, Haïti pral débat, tu pral remettre Haïti et sous table là. Donc, qui ça pral sorti? Parce que là, pas oublié que justement, et bon, c'est sur l'insécurité en vini, nous, tout l'autre pays, ça, qui met intérêt, qui dit que, y'a même eu tard pour venir de Haïti avec question insécurité, hein, question gang, non. Mais là, cette fois-ci, eh bien, justement, c'est la Russie qui pral diriger conseil ça. Comment comprendre ça, mesdames, messieurs? Parce que pas oublié que la Russie en lui-même, n'est pas venu jouer là. Dossier, question géopolitique là, il est très sérieux, surtout quand il s'agit de la Russie, pour pas dire la Chine, avec question Haïti, et puis approche que la Russie gagne envers Haïti, eh bien, c'est sûr, c'est les États-Unis qui a dirigé le Conseil des Nations Unies, c'est pas la même approche là. Donc, on pense que c'est à surveiller, et faut nous observer, et puis, l'on parle de la Russie, c'est une monde dans tout, et débat qu'a fait, eh bien, ouais, monsieur, ça a toujours exigé, faut qu'il y ait une enquête internationale qui fait dans le dossier, là, mon président Jovenel, et il a toujours dit, faut qu'il y ait une justice qui baille. Donc, nous-mêmes, ça intéresse nous, et puis nous, pour nous voir plus de détails sur ça, et bien, là, justement, on compte la préfète. Et on nous avance sur ça, là, nous. Bon, Jimmy, nous, comme on dit, de ce pays d'Haïti, insécurité généralisée, crise politique, là, encore une fois, qui pourrait être sous table dans la discussion qui a entamé jeudi, qui a entamé dans la tribune sécurité des Nations Unies, dans le pays Équateur, dans la capitale de Quito, pour les représentants américains dans l'ONU, et également représentants pays Équateur dans l'ONU, a gagné pour soulever la question de la guerre en Ukraine et puis de ces pays d'Haïti, et bien qui va faire débat dans le cadre du Conseil sécurité des Nations Unies, et bien nous pensons que à partir de l'édition, prochaine édition, nous allons parler de ça et nous allons avoir plus de détails.